الأخبار الثامنة إلا ثمان دقائق. عودة لكم مشاهدينا، مثل ما سبق وعدتكم أمام بداية الحلقة عنا انترفيو لنيو تالنت، وبنفس الوقت هنحكي اليوم عن her first CD actually the quest لسيليس، وحيكون معنا أكيد معه لحتى يحكونا أكثر عن هيدا الألبوم اللي بيضم حوالي 10 أغاني. إذا حابين تعرفوا أكثر أمي وفيلب حيلاقوكم بفقرة انترفيو. سيليس إمعو here in the studio. Hi. Salut. How are you doing? Good. Ça va? Ça va bien. Comment on fait en français, en anglais? Français, anglais, arabe. On fait melting pot. Melting pot. Mao, non. Je veux en français, c'est ça? Aussi. Oui. Alors avec Sayeli, ça va être en anglais, et avec vous, ça va être en français. Français. Parfait. Alors, un peu de background? Oui, un peu de background. We know, Sayeli, that you have a really diversified background, a multicultural background. Mm-hmm. So tell us a bit, how did this diversity help you in your career as a musician, as a singer, songwriter? Well, I was born in West Africa. And raised there in Togo, mm-hmm. under the palm trees and the sun. And then I moved to France when I was about 9 with my mom. And I lived there for almost 10 years. Mm-hmm. And then I came back to Beirut for a year. Then I moved back to Africa, then back to France. Then I went to America. And your mom is a choreographer, so... Yes, she right? is. Mm-hmm. So tell us a bit about art in your family. And when did you start? It runs through your veins. Kind of, yeah. Well, yeah, I started dancing when I was a kid with my mom. Mm-hmm. And we used to listen to a lot of music in the house, very diverse. So I got influenced very early. And you have Togolese influence or no? I do. I have a lot of African Maybe influences. Maybe the hairstyle, we can see the fusion between the... I don't know. Yeah, you have something African maybe in the hairstyle, but in the music, mm-hmm. in your latest album, The Quest, can you find, are we going to expect a fusion of music, maybe African, American, pop, or what's the type of music? I call it soulful pop, mm-hmm. because it's a mix of pop music with a lot of jazz, soul, funk, African, reggae, blues influences. So Et we on didn't voit l'influence de Mao dans cet album. Yeah. Very le producteur big, de l'album. Tout à fait. Comment vous avez collaboré ensemble? Ben, on s'est connus à Los Angeles. Et puis, il y avait déjà cette volonté de faire un album. Je la voyais bosser. Et puis, je suis rentré en Afrique. Ouais. Et puis elle m'a contacté, elle m'a dit ben, je suis prête à faire l'album. Et puis voilà, je suis venu à Beyrouth et on a fait cet album ici. Vous êtes un artiste qui a fait des tours avec des grands artistes comme oui. Stevie Wonder. Tout à fait, Alpha Blondie, okay. Chez Tidiane Sec, Tony Allen. Bon, je suis un musicien de studio. Alors, de tu scène. Connais bien en musique. Donc, voilà. Alors, votre opinion était très cruciale, si on peut dire, sur l'album de Sayeli. Et comment est le résultat? Vous êtes satisfait? Ah, je suis satisfait. Ok. Je suis satisfait. L'album est vraiment bien, éclectique, qui bouge bien. Elle a très bien chanté. Qui fait danser un peu? Oui. Comment est-ce que vous décrivez Sayeli? Pardon? Comment est-ce que vous pouvez décrire Sayeli? Elle n'entend pas. C'est une boule de nerfs. C'est une boule de. Elle en veut et vraiment c'est bien. C'est vraiment pour un artiste, pour un producteur. Enfin, quand on fait une musique et tout. Et vous avez besoin de ça. Bien sûr. Ouais. Il faut que l'artiste aille, qu'elle chante, voilà quoi. C'est vraiment il y a ce qu'il faut and dans cet album. Do you channel all this into your life, like this pop, you know, mm-hmm. percentage you have? Do you do it everywhere, like? Not yes. only new music, yes. I drive him crazy. It's like 8 in the morning, Mao, okay, let's do it. Let's start. À 8 heures du matin, il dort, lui. Non. Pas de temps pour dormir. Okay. Non. C'est bien ça. Life is too short. C'est bien ça. Nous sommes en train de parler en français, en anglais. Camille, tu parles arabe. Oui, je parle arabe. Fait que c'est Camille, je vais vous dire. En même temps, Khabrini, j'ai appris que tu, Camille, ne suis pas seulement chanteuse, mais tu es très belle. Et Camille, tu as travaillé avec un producteur très important. Et tu es en train de faire des choses sans aucune société. Mais aussi, tu as écrit et tu as écrit beaucoup de chansons de l'album. Oui. خبريني من وين تستوحي أفكاري؟ Oh my god, you talk so fast. لا فهمت. أوكي. كتبت 10 أغاني. إيه. وكتبنا مع بعض واحدة يعني on the spot. كتبنا أغنية مع بعض وبكتب الكلمات والموسيقى والميلوديز. You write all your songs? I do. And Mao does the arrangement.
So he's the musical producer. And we wrote a song together that's called Draw the Line. Cool, cool. Alors, we're going to stop a bit. We're going to go to a break. On va de break. On va faire un petit peu de la Sayelis. We're going to begin the show again with this interview called The Way You Treat Me. Yep. Break and we come back. الخارجية اللبنانية معلومات عن أن الإفراج عن اللبنانيين الذين خضوا هذه الأخبار وسوى نفصلها في النشرة المسائية. Treat you, Oh well, now he's gone. is it a sort of Adele thing that you broke up and you wrote all the album and you're like out a of broken personal heart, experience. Stuff like that? No, I didn't write the whole album because of one person, but I get definitely I got influenced
by Adele and Alicia Keys, maybe, because we can find this combination in your album. But my question for you is, I think it's a bit far to seeing you singing in Arabic or maybe in the Arabic industry, yeah? But we can really feel that you're in Eastern women in this video clip. There is something Lebanese. Yes. Yeah, the music is like Oriental, and it's not Oriental, it's like Western. Western, and the mood is more Lebanese. Is it on purpose or by coincidence? Well, it is a little bit because I'm 100% Lebanese, and I do want to represent a part, even though I wasn't raised here, and I'm not able to fully understand, speak and understand all the time. But I worked with a crew on this that's 100% Lebanese. We shot the video clip that's in Beirut. And the director is Lebanese, the whole crew is Lebanese. The whole crew is Lebanese. The director is a friend of mine, and he introduced me to his crew, and I fell in love with those people. It's a crew of all young Lebanese artists. Alors, tu as des remerciements à faire. They are amazing. You guys, I love you so much. You were awesome. Mao, qu'est-ce que vous pensez de ce, clip? Le clip, alors, quand j'ai vu le clip, j'étais, j'ai dit, waouh. Le clip met vraiment en valeur la musique, la voix, et il y a tout un univers fantastique. Je lui ai dit. Hein, je vous ai vu faire comme ça en regardant les musiques. C'est toujours comme ça quand il y a un clip de la musique, il capte la musique. Tout à fait. C'est beau ça. Alors tu vas nous dire c'est qui le directeur? Si, bien sûr. Le clip a été réalisé par Cyril Basile. Le directeur de la photographie, c'est Shadi Charban. Assisté de Roy Jamouri, il y avait Andrew Ray. Roy Jamouri qui m'a introduit à ta musique. Sérieux? Ouais. Yeah! Word of mouth, word of mouth. Il y avait Sandrelle Lassaha. I mean, all those. Je ne peux pas oublier des gens, donc ça va être difficile de nommer tout le monde. Mais ça a été vraiment un plaisir parce que c'est des gens qui ont cru en cette chanson et qui sont partis avec nous dans ce concept. Et c'est vrai que quand je regarde le clip, je suis vraiment contente parce que it's very faithful to my universe. Les couleurs, le mood, moi j'adore tout ce qui est vintage et je suis, pour moi les couleurs ça compte beaucoup. Et tu m'as dit que tu allais chercher des papiers peints là. Non, on a bien travaillé. Tu as bien cherché partout. Bah, c'est un clip autoproduit donc il a fallu mettre le paquet, l'énergie et grâce à tout le monde on a réussi à faire quelque chose de très bien. Saïlis, Emma, you're here now in Lebanon to launch your new album, The Quest. So tell us a bit about the details about this album and later we're going to talk launching. About the launching, of course. Mao, qu'est-ce que tu en penses de l'album? Non, c'était un plaisir de travailler avec lui. Il y a combien de chansons? Il y a 10. Il y a 10 chansons et une cachée. Ghost bonus. Voilà. Donc, je ne comprends pas ce concept de bonus, moi. C'est quoi? Écoute, en fait, pour moi, c'était important de la mettre en bonus parce que c'est la seule chanson qui est en français dans l'album. Donc, c'est un peu plus personnel. Ouais, c'est une chanson un peu plus acoustique, un peu plus personnelle. Et j'avais envie de lui donner un petit espace. Quelle est votre chanson préférée de l'album? C'est difficile, je les aime toutes. Moi aussi. je les aime vraiment. Toutes. Ok, alors choisis une et faites-la nous a cappella. Yeah. Allez-y. Warrior? Celle que j'ai moins aimée. Celle que tu as aimée? Ouais. Ok. Wake up in the morning, smile at the world. Life's a blessing and you make it work. I got my feet on the ground and no lost and found no more. My faith is real, it swept me back to the shore. I won't let no thief steal my soul. No, they ain't got it all. Yeah. Round of applause, round of applause. Saïlis, the launching of the album, if they want to hear you, they should go. Demain. I'm so excited. Pour écouter tes chansons, tu vas faire live. Ouais. On va jouer l'album demain au métro Al Madina. On commence à 8h30. Et on a prévu un show du tonnerre. Ah ouais? Super funky. Cool. Avec chorégraphie et tout, non? Non, okay. non, mais ça va aller, je crois. On n'a pas besoin de chorégraphie. Mao, sur la guitare? Oui, je l'accompagne. Ok. À la guitare, ouais.
Yeah, the whole set, band. Band. Oui, j'ai ma band, Fouad Afra, Ziad Hello, Bachar Farran, et bien sûr Mao à la guitare.